Alors ici, nous sommes à Arlon, dans l'ancien cimetière. Pas dans la partie ancienne du cimetière actuel, mais dans un ancien cimetière qui se trouve quasi au centre-ville, à la rue des Thermes Romains. Et c'est les restes des croix d'un cimetière qui date du 16e, 17e et 18e siècle. Et ils ont aussi retrouvé, ici dans la région qui est très riche au niveau gallo-romain et tout ce qui est historique, hein, parce que sûrement Arlon était certainement déjà une plaque tournante entre les trois pays qui l'entourent, mais ils ont retrouvé des thermes romains. Le vieux cimetière d'Arlon est désaffecté en 1852. Il y a cependant encore des tombes de 17, 18 et 19e siècle. Ce site était aussi occupé à l'époque romaine. On le sait car on y a trouvé des thermes romains avec hypocauste, c'est-à-dire un chauffage. Il y a également des tombes de l'époque mérovingienne, elles datent du 6e et 7e siècle. Les restes de l'église romane dédiée à Saint-Martin y a également été retrouvés à cet endroit. Celle-ci datait du 13e siècle et quand elle fut en ruine, on y éleva une chapelle avec un ermitage au 17e siècle et abandonnée, la chapelle fut détruite en 1878. Des dessins incas dessus avec des têtes de mort et par exemple c'est une tombe. On ne voit pas la date, mais on voit vraiment que la tête de mort à 1844 ici. Donc, tu vois, c'est et nul ne pense, enfin moi, j'ai habité ici pendant une dizaine d'années et je n'étais même pas au courant. En 1833, les autres, on ne sait pas lire dessus, mais allez, on ne sait pas penser parce que vous êtes en plein milieu, enfin, il y a des immeubles partout, sauf là quoi. Voici ici donc les restes des thermes romains qui sont enfermés, vous vous en doutez bien, c'est pour les garder en l'état. Certains disent qu'ils auraient servi de bain à vapeur avec le système hypocauste qu'on aurait retrouvé sur place. Ils se servaient de la source de l'assommoir qui n'est pas loin de là. Il y a la présence de trois bassins, donc le bain froid, le bain tiède et le bain chaud. Et ils en déduisent que ceci faisait partie d'un complexe balnéaire.
tu aimes nos vidéos, n'oublie pas de liker, partager, commenter et en même temps, profites-en pour t'abonner pour avoir la suite de nos vidéos. À bientôt !